Pour ceux qui croient encore que Mohamed Merah est l'assassin, on peut dire que Mohamed Merah est un produit moderne et occidental, famille divorcée, élève sans père et un enfant, élevé sans père et un enfant humilié et écrasé par l'Occident et ses sœurs d'Isis depuis sa naissance. On est d'accord que d'être élevé par une femme toute seule n'est pas trop conforme à l'islam. Il est où donc la culpabilité de l'islam et du masculin là-dedans? Et plus tard dans sa vie, il est allé en recherche aux énergies masculines, dues au vol du masculin pendant sa jeunesse par la manque d'un père. Il a cherché en Afghanistan, en islam et dans l'armée, si c'est vrai du tout, car les autorités sont payées pour mentir. Donc il a essayé de soigner un problème occidental avec l'islam. Est-ce qu'il faut punir l'islam pour un problème occidental? Pour Merah donc, la barbe, Afghanistan, les armes, les motos et voitures formaient la subconscient pour lui remplacer son père et l'énergie masculine volée et manquée. En plus, l'harcèlement au quotidien des flics et des autorités sont là pour casser la morale, l'honneur et l'identité. Quand t'es fouillé et victime de contrôle d'identité sans arrêt, avec conséquence que le respect se perd, il faut sérieusement se poser la question suivante. Est-ce qu'il y a si tant de flics à cause de la criminalité? Ou est-ce qu'il y a de plus en plus de criminalité à cause des flics? Quand tu te sens plus maître de toi-même et que sont des autres en uniforme qui disposent de ta vie, quand tu veux te ramener au poste, etc. Et c'était quand même la police française qui ont arrêté les juifs pour les ramener dans des camps de concentration, quoi. Dans le monde des services secrets existe un phénomène qu'ils appellent dans leur jargon un bâton poisson. Ce sont des individus, souvent sans influence parentale et des perdants marginalisés de la société, qui sont été choisis par des pharaons et francs-maçons pour servir dans de futures opérations sous faux drapeau, false flag. Ils ont froidement assassiné avec une balle dans la nuque, déjà des mois avant les opérations. Et je sais de quoi je parle. Ensuite, ils sont congelés ensemble avec des autres bâtons-poissons, fish sticks en anglais. C'est la raison que Merah était dans la baignoire pendant des jours pour décongeler le bâton, comme on le dit. Il y a sûrement eu des problèmes de décongélation. Shit happens and Mr. Murphy can always step by. Et le bâton encore gelé racontait qu'il était en Afghanistan, qu'il faisait partie de l'Al-Qaïda, qu'il n'a pas de remords, etc. Et tout ça une journée avant le début officiel de la campagne électorale pour la présidentielle. Ça ressemble beaucoup à l'histoire de HB, Sarko et Eric Schmidt à Neuilly, il y a 20 ans. Ils nous montrent aucune image de l'assaut, parce qu'il n'y avait pas de l'assaut. On est dans le 21e siècle où chaque enfant s'est filmé avec son portable ou même Mohamed Merah s'est éternalisé avec sa voiture et moto et ses autorités omniprésentes avec un budget phénoménal ne présente aucune preuve optique. Regardez mon autre film dans lequel Martine, une témoin sérieuse, décrit l'assassin avec tatouage gros et avec yeux bleus. Regardez Le Pharaon Show sur la chaîne Guray, G-U-U-R-E-H, et vous savez que Toulouse et Montauban étaient des opérations sous faux drapeau pour atteindre de multiples buts politiques dans la direction dictature et esclavage total. Je vous garantis que les pharaons ne sont jamais disparus. Ils, elles et elles sont là au poste clé. En pharaonique, Mer A veut dire la grande pyramide ou née dans la pyramide. Donc Mer A, Mer, ça veut dire la pyramide dans la langue pharaonique et A, ça veut dire grand ou enceinte.
Et en hébreu, Mera veut dire qui vient du mal. Comme quand on est né dans une grande pyramide, dans un rituel satanique de la franc-maçonnerie. Réveillez-vous, peuple français. Mera vient du mal. En hébreu, Mera, né dans la pyramide, en pharaonique. Réveillez-vous, peuple français. Car c'est vous qui avisez. Ce sont les pharaons qui veulent votre liberté avec Sarko, leur porte-parole. Et si vous croyez Sarko, ça sera la sarcophage pour vous. Voilà, en Suisse, les alimentations. Et voilà. Ah, d'où est-ce qu'on connaît ce nom? Voilà, Suisse, vous voyez, Mera, comme Mohamed Mera. Hein. Les derniers rumeurs disent qu'il a travaillé pour les RG, donc les renseignements généraux. Mais voilà, apparemment c'est un nom pharaonique suisse. Mer, ça veut dire pyramide, mais mer ou meru. Mais je pense qu'on a la réponse. Et apparemment, ce sont les RG qui l'ont liquidé parce que ils n'ont plus l'utiliser en Afghanistan parce que les gars s'y savent. Il n'y aura aucun autre événement qui va influencer les élections présidentielles en France plus que ces événements de Toulouse qui sont passés. C'est pour ça qu'il faut compter avec une opération sous faux drapeau. Car seulement une journée avant le début officiel des élections, ben, c'est louche quand même. Il est faux de tuer des enfants, c'est clair. Un enfant est sacré, on tue pas un enfant. Point. Mais monsieur Mohamed Mera, il en a vu pire, je pense. Est-ce qu'il y en a pire que de tuer un enfant? Oui, il y en a pire et je vais vous le montrer par les images qui viennent après. On voit aussi clairement que la guerre d'Afghanistan et la guerre contre les musulmans, c'est venu en France. Je suis pas musulman d'abord, d'ailleurs. Ok, je vais vous montrer qu'il y en a pire que ces enfants tués à Toulouse. Et pourquoi il n'y en a pas une minute de silence pour ces autres enfants, ou pour tous ces drogués qui sont morts en France, les victimes de la route, les victimes des pédophiles. Il n'y a pas une minute de silence. Et surtout, monsieur Sarko n'en parle pas. Ok, je vais vous montrer qu'il y en a pire. Si on peut s'imaginer, c'est dur. Dr. Miraki, we are at Malali Hospital, Kabul, which is OB-GYN hospital, and we've been here in the neonatal ward, and there's been a massive amount of deformities due to depleted uranium, non-depleted uranium, and incidentally we have a case here which is really horrific, but something that I need the world to know and expose the crimes of the United States and its puppet regime in Afghanistan. You can see now. This is the infant. This is the infant, which is really nothing but a gift of the democracy that the United States has installed in Afghanistan. This is the horrific deformity from which thousands and thousands of Afghans will be dying from. And in generations upon generations of Afghans will be suffering from. This is the crime that deserves nothing but a total justice. And a total justice is nothing but the destruction and defamation of those who have committed this.
This is the tragedy and travesty of Afghanistan, and this is the product of so-called democracy. Nothing but a horrific deformity. But the Rahul is the best. Alors, est-ce pire? Oui, c'est beaucoup pire. Des Afghans, pour des générations, de centaines de milliers d'années, ils seront détruits. Leurs gènes, leurs fœtus, leurs bébés, leur génétique, etc. Et pour ça, il n'y a aucune minute de silence. Il fallait des jours, des semaines de silence pour ça. Et le jeune Mohamed Merah, il a sûrement été témoin des choses comme ça. Et avec sa jeunesse, 24 ans, et les émotions, il a pris une très mauvaise décision. Mais il faut comprendre que l'armée française est coupable, avec les Américains, des pires des crimes contre l'humanité, avec les obus et des balles de l'uranium appauvri, depleted uranium, DU en anglais. Et de ça, on n'en parle pas. Et ça explique donc les cibles militaires que Merah a pris. Et l'armée israélienne tire apparemment également avec l'uranium appauvri. Donc, on peut condamner M. Merah, mais il faut comprendre les raisons derrière. Et il faut pas seulement condamner M. Merah, ça sera faux. Hein? Ça sera très faux. Comme ancien militaire que je suis, je connais très bien l'Afghanistan, j'y étais une année, quand les Russes ils étaient encore là. Voilà, je ne suis pas russe. I'm rather English, je suis plutôt anglophone. Ok. If there is anyone that is doubting what I am saying, this is the clear proof. There's nothing, there's no mystery to this. But there's only one mystery that no one wants to talk about, and that is the mystery of DNA aberration and other genetic malformation caused by uranium contamination, caused by the criminal government of George Bush and the imperialistic United States and its puppet regime in Afghanistan. And this deserves nothing but a universal justice, and universal justice is the matter of definition. C'est le docteur Meraki aux États-Unis. Il est sur la chaîne MD. MD Meraki. Il faut faire retourner les soldats français. Parce que c'est une guerre hautement criminelle. Qui joue seulement sur l'opium. En fait, les talibans ont interdit l'opium et les Américains avec le CIA, c'est le Cocaine Import Agency, agence, ils ont réinstauré l'opium. La guerre de Vietnam c'était également, et le triangle d'or, c'était également l'opium. La guerre d'Irak, bon, mais c'est le pétrole, on le sait. La guerre en Afrique centrale de Kony en Ouganda qui va commencer... ça, c'est sur le coltan, et le coltan c'est un produit qu'on a besoin pour les portables. Hein? Donc c'est pas si simple. Les raisons derrière pour les choses que M. Merah il a fait.
Il y en a des terroristes encore beaucoup plus grandes. Je trouve que celui-là, il fait exactement la même grimace et le même théâtre cinématographique que George Bush après le 11 septembre. C'est le même sentiment que ça me donne. Et en fait, les opérations sous fausse drapeau, hein, de laisser penser que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait pour atteindre des buts politiques et économiques, et criminels, bien sûr, hein, on fait penser qu'il y en a quelqu'un d'autre qui l'a fait. Et en fait, les opérations sous fausse drapeau, false flag operations, ça se passe très souvent juste avant le week-end. Parce que le week-end, les gens, ils ont du temps, ils ont le temps d'entendre le petit dictateur lumineux au salon. The Tell Lie Vision. Je vous invite de voir un film sur YouTube, sur la chaîne Giureh, c'est G-I-U-R-E-H, s'appelle Le Pharaon Show, et dans laquelle j'explique historiquement des choses et je donne des preuves. Il y en a des indices que les attentats de Toulouse sont en fait une opération de fausse, sous fausse drapeau. Parce que, quand j'analyse dans la langue pharaonique, le nom de Mère A, c'est entièrement pharaonique. La particule Mère, comme Mère ou Meru, ça veut dire une pyramide. Je suis historien j'ai analysé ça. Comme on retrouve dans le Mérovingien, dans Amérique, à les Amériques, etc. A, ça veut dire grand ou enceinte, comme dans Sarah. Ça veut dire, le nom Sarah, ça veut dire celle, la reine mère, qui. Sar, ça veut dire le roi, ou la reine. Donc, Sar'a, ça veut dire la reine mère qui a donné la naissance et la ligne royale. Elle a donné naissance à la ligne royale. Comme le mot Sar, on le retrouve dans Nebuchadnezzar, c'était le roi de Babylone. César, le roi de Rome. Le mot allemand, ça vient de César, Caesar, Kaiser. Le mot tsar, hein, les tsars de la Russie, la famille Windsor, Salazar, le dictateur en Portugal. Même le mot monsieur, ça vient de monsire, et sire, ça veut dire tsar, le roi. Il y en a le mot sir en anglais, c'est sire. Et bien sûr, il y en a Sarkozy, c'est le roi de France. Et il se comporte ainsi. Voilà. Et donc le mot mère, on le retrouve également dans America, ça veut dire, quand on le lit de droite à gauche, ça veut dire la réincarnation du grand pyramide aura lieu où nos âmes peuvent vivre. Et regarde comme sur le dollar, il est là. A, comme j'ai dit, ça veut dire enceinte ou grande. Mais, ça veut dire la pyramide. Ri, c'est le soleil. Comme le dieu solaire Ré ou Ra, et Ka, c'est l'âme, quand on vit, comme l'énergie du corps que les Japonais, ils appellent Ki. Alors, regardez le Pharaon Show, pour tout connaître ça. Ok. Pour finir cette courte vidéo, j'aimerais encore exprimer mes sincères condoléances pour les enfants tués à Toulouse. Mais
et surtout les enfants massacrés et la génétique afghane et tous les autres enfants musulmans qui sont terrorisés par l'armée française, l'armée américaine, les pharaons et toutes les autres. Donc je m'exprime surtout mes condoléances à ces enfants et l'enfant qu'on voit ici, que sa vie, ses jeux sont rien que des plaies. Les organes, ils sont dans des petites poches en dehors du corps. C'est la nature de l'uranium, si on veut, qui a fait ça. En peut-être encore quelques jours, et cette petite vie qui a juste débuté a fini dans une poubelle. Merci l'armée française. Merci l'OTAN. Merci Monsieur Sarko. Faites une minute de silence pour des choses qui sont encore pires. Et Monsieur Sarko et les autres politiciens, c'est déjà un mensonge de ne pas raconter toute la vérité. C'est un grand mensonge. Et je veux dire ça aussi aux francs-maçonneries. C'est pas trop franc tout ça. En anglais, ça s'appelle Freemasons. Free, libre. Eux, ils sont libres. Nous, on est des maçons. Pour travailler, pour être esclaves. Et pour finir dans la poubelle. Comme ces victimes-là. Et il y en a des milliers. Des milliers. Bonjour tout le monde, ici on peut voir l'hiéroglyphe du soleil, le plus fameux au monde. Leur spécialité, l'agent orange, l'uranium appauvri et des bombes atomiques, surtout sur des chambres d'enfants. Pour savoir plus, voir le pharaon chaud sur Gureh, c'est G-U-R-E-H. Ça a été la police française entre 1940 et 1945 qui a arrêté des centaines de milliers d'Hébreux pour les livrer aux Allemands et au camp de la mort, en donnant toutes les raisons pour tout un peuple de ne jamais plus faire confiance à la police française. C'est donc assez curieux de les voir ensemble, ces victimes et leurs bourreaux, en se définant le bouc émissaire du 21e siècle, avec les affaires de Toulouse. Les victimes de Toulouse étaient des Hébreux orthodoxes, comme ici, qui disent eux-mêmes d'être contre l'État d'Israël, car Dieu interdit aux Hébreux de fonder leur propre État en les punissant par les diasporas. Ils brûlent même les drapeaux d'Israël en disant d'être des Palestiniens et des habitants de l'État de Palestine comme avant. Ceci donne une parfaite raison pour ceux qui croient à l'État laïque d'Israël après les principes de Sion, de les vouloir et même haïr. Donc le mobile de l'assassinat de cet orthodoxe et ses enfants est encore beaucoup plus applicable à ces autres-là qu'à un pauvre marginal des banlieues. Parce que les orthodoxes nuisent à l'État d'Israël et aux principes de Sion. Donc là, ce sont des orthodoxes et pas des arabes qui ont brûlé le drapeau israélien. Et là, ils montrent le drapeau palestinien. C'est très fort possible, Monsieur Sandler de Toulouse, il était là. Et ça donne quand même une raison. Donc le mobile est là, d'en vouloir contre les aux orthodoxes de Jérusalem et à M. Sandler de Toulouse. Ce mobile-là, ça doit être analysé très sérieusement, parce qu'il est là, le mobile. Et pour des rites maçonniques et pharaoniques, c'est quoi que Toulouse et Jérusalem ont en commun?
Les croisades, bien sûr, contre l'islam et contre les Français cathares de Toulouse. Ici, on voit le croix suisse dans la même couleur. Et c'est le chant de Templiers, Crucem Sanctam Subit. Le Moyen-Orient est une tourbillante de croyances difficile à comprendre pour un Européen. Et en tout ça, Montfort signifie les montagnes fortes de la Suisse, où les Templiers de Simon de Montfort ont fondé en 1291 leur base et leur banque avec le trésor des Templiers. Ils seront comme toujours, et après les événements de Toulouse, les seuls gagnants de tout ça qui est en préparation. On connaît un Suisse sous commande des Templiers et qui porte le signalement de Martine, yeux bleus, corpulent et avec un tatouage en dessous son œil. Voir Peter Odensov et des assassins au service de banques suisses. Il faut que ce soit analysé. Qui a financé Adolf Hitler et qui veut, hein, vous voyez l'image, qui veut que des autres vont combattre et en finir avec des étrangers. En 40-45, les Suisses ont laissé faire les Allemands le faire. Et par des événements de Toulouse, ils ont essayé de les laisser faire par des autres. Avoir le pharaon chaud de Guré, G-I-U-R-E-H, pour en comprendre plus. Es fecit qui prodest. Celui qui profite est coupable. La Suisse. Alors, dans le Google, on peut lire tout sur Peter Odensov, qui a révélé en 2011 des choses sur les assassins qui travaillent pour les banques suisses et pour les Templiers. Il faut que ce soit analysé également, et pas seulement la piste islamique, parce que il n'y en a pas. Alors ici, on voit le centre de détention de torture à Berne, en Suisse, avec deux obélisques, fraîchement polis, voilà, le symbole de la domination pharaonique. Le triangle de franc-maçon et Isis deux fois. Et ici, il y a l'ours. Comme dans les révélations de Jean, c'est l'état de l'ours. La bête, mais c'est la Suisse, hein, comme j'ai expliqué. Avoir le pharaon chaud. Voilà. Ici, ils ont tué beaucoup de gens qui sont été suicidés. Voilà. La Suisse tout propre. Alors, dans cette magazine suisse du Blick, le plus grand journal en Suisse, de 2005, il y a écrit partout où c'est vert qu'il n'y en a pas assez de l'oxygène pour respirer. Les gens, ils sont torturés. Des milliers d'immigrants, surtout de musulmans, sont été torturés et beaucoup sont été suicidés là-dedans. Voilà, ici des preuves. Et comme chez chaque mafia, ici en Suisse, il y en a la loi des silences, le omerta. Quand on ose d'en parler, il vient avec des... avec des avertissements, ils te coupent le pied du chat, ils te font arrêter par une unité antiterroriste, des attaques par les nazis... voilà, etc. Mais les preuves, ils sont là. Hein. C'est une très grande mafia, les Suisses. Et beaucoup de gens ont été assassinés là-dedans. Avec le peuple suisse, ils sont tout à fait d'accord. C'est comme ça. Comme ils sont financés Adolf Hitler, tout est en cachette. Mais les preuves, ils sont là. Ceci est encore un avertissement de ces Suisses avec l'arrestation de cette unité antiterroriste et la menace de mort que je reçois de la police suisse et de la justice suisse. Voilà.
Et ils ont fait encore beaucoup pire. Alors, ça s'est passé l'année passée. C'était encore un avertissement comment ils ont coupé le pied de notre chat. Ils m'ont fait arrêter avec une unité antiterroriste. Ils m'ont mis 3 flingues sur la tête, de menottes aux pieds et aux mains, d'un mec cagoulé et armé jusqu'aux dents de partout, de menottes aux pieds et aux mains. Et plus tard, j'ai reçu des menaces de la police et de la justice suisse si j'ouvre ma bouche de nouveau sur l'internet, sur l'histoire suisse, et je critique la Suisse. Bon, mais ils vont me finir, c'est ça que... des menaces de mort. Donc, c'était paru ça dans le journal le plus grand en Suisse. Ils m'ont fait arrêter par une unité antiterroriste parce que j'étais frappé par un policier très agressif et très dangereux. Donc je l'ai mis sur YouTube. Alors, c'était la raison pour laquelle, uniquement, qu'ils m'ont fait arrêter avec une unité antiterroriste, hein, comme un avertissement. Et là, ça devient très dangereux, je pense. Ils vont aller faire, ils vont aller exécuter leurs menaces. Voilà, c'est la Suisse, c'est un pays nazi, très dangereux. Bon, mais c'est sympa, c'est la Suisse, depuis notre maison. Hein. Et quel fantasme ils ont donc, quand ils poussent la détente, la gâchette, hein? Ils s'imaginent qu'il y a un étranger devant, hein? On entend les nazis suisses, hein? Et là, c'est la liberté. Un petit trou, c'est tout. Voilà, les adorateurs de Isis. Là, Isis, elle semblait être assez fatiguée. Avec l'arme, c'est le Moyen-Âge. Voilà. Avec le bouclier des Templiers. Et avec un bout d'or, avec un bloc d'or, d'or de l'or des nazis suisses. Et là, elle est déjà couchée. C'est fini. Mais ouais, avec la couronne de Isis. Donc les adorateurs de Isis en Suisse. On voit ici également que la Suisse est vraiment le Moyen Âge, avec le bloc d'or, avec Isis. Avec l'arme, elle va tuer qui, hein? Les étrangers, elle se prépare pour le dernier combat qu'elle a déjà perdu apparemment en avance, avec le bouclier des Templiers. C'est le Moyen Âge. Voilà. C'est le Moyen Âge. Dans leurs pensées, dans leurs actes, ils sont violents, ils sont agressifs, ils aiment les armes, et... ouais. Nationalistes. Donc les Suisses, les adorateurs de Isis, comme dans leur nom, Suisse. Suisse, sœur Isis, les sœurs d'Isis. Allez voir le Pharaon Show pour savoir plus. Hein? Y a encore quelqu'un qui a des doutes? C'est comme le statut de la liberté, c'est Isis. Donc c'est le fin mai 2012, c'est la dernière campagne suisse qui joue à ce moment. On dirait c'est une campagne pour défendre le Moyen-Âge. Alors on peut voir très clair que les Templiers et Isis, ils sont connectés, ils sont branchés. Hein? Ce sont les Templiers, voilà, le bouclier, qui travaillent pour Isis.
Donc il y a trois choses. Les banquiers avec l'or, les templiers et Isis, les pharaons. Voilà, voilà. Travaillent tous ensemble. Comme ici. Donc, donc ici, on voit parfaitement les trois ailes. Donc là, les banquiers, l'aile financière, l'aile militaire, les templiers et l'idéologie, la politique, Isis. C'est comme ça qu'ils travaillent là, les Suisses. Les sœurs d'Isis. Et ici, mai 2012, les adorateurs suisses d'Isis se promènent même avec une poupée d'Isis. Ça doit être clair également que Isis et les Templiers, comme on voit leur bouclier là, en Suisse, sont un et la même chose. La même chose. Et en même temps, ce bouclier des Templiers venait par courrier dans chaque maison dans laquelle il parle uniquement de l'argent et comment obtenir le plus de l'argent de la communauté européenne. La Suisse est une dictature enrobée du chocolat au lait. Les Suisses veulent se montrer humains et civilisés envers le monde, mais en fait c'est la base du diable lui-même. En faisant du chocolat suisse, il y a beaucoup de travail enfantin intégré. Ici, on peut voir comment la prochaine génération de petits banquiers suisses est enseignée qu'est-ce que c'est exactement un coffre-fort suisse à partir d'un très bas âge et de ne pas être dérangé par le fait qu'en Suisse même, on a tenu des enfants esclaves jusqu'en 1989. Et dans la base des sœurs d'Isis, sur chaque pièce de leur monnaie, Isis, la reine mère, a été portraitée. Avoir le pharaon chaud pour en savoir plus. Isis, Isis, Isis. Isis, Isis, Isis. Isis. Là, on est encore à Berne, en Suisse, obélisque. Obélisque, il y en a plein. Là, tout voyant, et tout là. Et ici, la fameuse statue du pédophile suisse. On l'appelle le bouffeur d'enfants. Hein? Voilà. Bouffe des enfants, il y en a plein. C'est ça que les pédophiles ils font hein, pour les sœurs d'Isis. Quand les enfants masculins, les gosses, ils n'obéissent pas, mais c'est ça qui arrive, soit avec des drogues ou soit avec des pédophiles pour les arranger. Là, la croix suisse et l'ours, comme dans la Révélation, la bête d'ours. Un des trois animaux raconté par Jean dans ses révélations. Mais c'est ici. C'est ici. Là, c'est l'Alliance, l'Acacia. Voilà, la Suisse tout propre. Allez voir le pharaon chaud. Apparemment, c'est du harpe. Ce sont des formations de nuages qui sont formés par des ondes électromagnétiques. Ici, donc, le 2 juin 2012 en Suisse. C'est très bizarre. On voit clairement la fréquence. Apparemment, il y a trois choses qu'ils ont besoin. Ton code génétique, le ADN, qui est, on peut transmettre en fréquence, parce que toute matière, c'est une énergie qui peut être transmise dans une fréquence.
La deuxième chose, il doit savoir quel programme télé tu es en train de voir à ce moment. Et la troisième chose, avec ses énergies et la fréquence, ils peuvent trianguler trois émetteurs de portables. Et quand ils mettent ces trois énergies ensemble, bon, ils peuvent te contrôler apparemment. Il est donc nécessaire une interférence de ces trois énergies, de ces trois fréquences, pour griller ton cerveau. Ce qu'ils ont fait avec des soldats irakiens dans le désert en 1991. C'est pas trop naturel, tout ça. Ça doit être clair qu'on ne vient pas d'ici. On doit tout cuire ce qu'on mange, sinon on ne peut pas le digérer. On doit porter des souliers, sinon on a mal à nos sensibles pieds. Et on doit porter des vêtements, sinon on a froid. On n'est pas du tout adapté à cette planète-là. Donc il n'y a pas eu une évolution, sinon on sera beaucoup plus adapté. Donc, on est le seul animal sur cette planète qui fonctionne pareil. Donc, on vient d'où? Hein?